Alors vous voilà tête de liste à l'Europe. Quelles sont vos priorités pour ces élections ? Alors la première et celle que les écologistes portent depuis longtemps, c'est évidemment un peu de changer de modèle de développement. Et on se rend compte avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois, la crise financière, la crise alimentaire, la crise climatique évidemment, qu'au fond tout ça procède du même problème, c'est-à-dire des choses qui sont décidées à court terme avec avant tout les intérêts de profit immédiat. Et donc ce changement de modèle, c'est nous qui voulons l'incarner. On veut le porter par des propositions extrêmement concrètes en matière de climat, en matière d'énergie, en matière aussi en matière économique, de régulation. Il faut une Europe qui, pour qu'elle fonctionne, qu'elle soit régulée, et tout ça c'est quelque chose qu'on veut aussi expliquer sur les marchés, ici à Liège, à Charleroi, ailleurs, pour que chacun puisse comprendre que l'Europe c'est pas quelque chose qui se passe loin, ça se passe tout près de chez nous, c'est très important et c'est là qu'on donne le ton de tout ce qui nous arrivera à chacun. Alors l'Europe vous connaissez quand même déjà un peu concrètement au niveau politique, puisque quand vous étiez ministre, vous avez pu l'approcher, la toucher concrètement. Ah oui, donc au-delà du fait que je suis comme tout le monde, citoyenne et donc européenne, mais j'ai été ministre et donc à ce titre j'ai siégé au Conseil européen des ministres des Transports. Et c'est vrai que j'ai découvert l'Europe par le bout du Conseil des ministres, qui n'est peut-être pas l'endroit d'ailleurs où on fabrique le plus d'Europe. C'est l'endroit où chaque ministre vient souvent un peu défendre son beefsteak national. Donc je pense que c'est très important que l'on puisse, du point de vue du Parlement, essayer de construire quelque chose qui est bon pour tous les citoyens européens, en défendant évidemment les concitoyens que l'on représente au premier chef, mais ce n'est pas incompatible avec le fait de défendre des idées européennes. Et je pense que ça manque un peu, et c'est certainement une des caractéristiques du groupe des Verts.